Le temps passait encore et toujours trop vite. Les enfants grandissaient mais n'étaient pas trop turbulents. Fabien et Armand jouaient très souvent ensemble. Le même lien fort réunissait Étienne et Gina. Ils s'amusaient beaucoup ensemble. Néanmoins, Gina avait souvent des idées de bêtises. Pendant que je préparais le gâteau d'anniversaire des aînés, j'entendais Gina raconter plein d'idées farfelues à Étienne. Je ne voulais pas cacher leur lien de jumeaux, alors aujourd'hui, je la laissais faire. Je préférais fêter l'anniversaire des grands. Je pris Armand dans mes bras et Fabien se demanda bien vite ce qu'il se passait. Il me suivit jusqu'en bas. En passant, je vis Gina et Étienne s'enlacer. Ils sont si mignons Armand souffla les bougies et devint un enfant. Ce fut ensuite le tour de Fabien. Mes deux grands entraient déjà en primaire. Ils ressemblaient tellement à leur père J'étais tellement comblée par mes quatre enfants que j'en oubliais le père des grands dont je n'avais pas du tout de nouvelles et le père de mes petits toujours à l'étranger.